course camarguaise est un sport pratiqué dans le sud de la France, dans lequel les participants tentent d'attraper des attributs fixés aux cornes d'un taureau. Ce jeu sportif, sans mise à mort, est pratiqué dans le Gard, l'Hérault, une large partie des Bouches-du-Rhône, ainsi que dans quelques communes du Vaucluse, dont Pernes-les-Fontaines, qui possède l'une des deux arènes fixes du département. C'est en 1975 que la Fédération française de la course camarguaise est agréée par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. La course à la cocarde devient définitivement la course camarguaise. Contrairement à ce qui se passe dans la corrida, pas question ici de maltraiter physiquement le taureau, qui est une star, au même titre que les raceteurs. Il s'agit ici de taureaux camarguais par opposition au taureau espagnol. Le taureau camarguais est plus petit, plus nerveux et plus rapide que son cousin espagnol, et ses cornes sont en forme de lyre. Les boules métalliques placées sur les cornes permettent aux élèves raseteurs d'affronter le taureau avec plus de sécurité, même si parfois certains se font un peu bousculer. Après la course, le taureau regagnera son pâturage et retrouvera ses congénères. À Pernes, en ce beau week-end ensoleillé, le taureau aura vraiment été le roi de l'arène.